Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Linoucha. Aujourd'hui, je vous propose une recette de harira express pour 4 personnes. Hein. C'est une harira rapide qui se prépare en petite quantité ou en quantité comme vous voulez. Vous êtes nombreuses à me demander la recette de harira. Alors, je commence par faire revenir la viande dans l'huile d'olive avec mes épices et les sels. Une fois que ma viande, elle prend une jolie coloration dorée dans l'huile d'olive. Alors, je remercie une internaute qui m'a donné cette astuce. Aïcha. Toutes mes amitiés à Aïcha. Alors, une fois que ma viande est bien colorée, alors j'arrose avec de l'eau froide. Hein, l'équivalent d'un litre d'eau. Je mets les tomates entières. Ça peut être étonnant, mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais croyez-moi, le résultat il est très bluffant. L'oignon entier. Un bouquet composé de persil, de coriandre et de céleri également. Et les pois chiches trempés la veille. Alors, je ferme ma marmite et je laisse tout cuire sous pression pendant 25 minutes. Là, après 30 minutes de cuisson, je vais ôter l'oignon, les tomates, le bouquet garni. Je vais tout ôter et je vais mettre les lentilles à cuire. Hein. Pendant que je mixe tout et je prépare la liaison. L'idée, c'est de tout enlever pour pouvoir les mixer par la suite. J'enlève je les cume un peu. Alors, je mets les lentilles. Juste comme ça et je la laisse cuire pendant que je mixe le reste. Là, à l'aide d'un presse à purée, je vais mixer, que j'ai mis sur la position, la grande position en fait, pas le trop fin mais le moyen, pareil le gros. Je vais tout mixer et je récupère uniquement le jus. Oups. Je vais prendre un tout petit peu de jus que je vais rajouter dans la tomate concentrée pour le diluer. Et je le remets dans la marmite. Donc, je le pleure. Je rajoute mon mélange que j'ai mixé. Je mélange, je couvre la marmite et je vais préparer ma liaison. Alors, je prépare ma liaison avec de l'eau et de la farine. J'enlève tous les grumeaux. Je mets ma liaison dans la harira et je mélange en même temps. Et je continue à mélanger mon harira à découvert pendant 15 minutes. Une fois que j'obtiens une bonne consistance, je vais mettre un tout petit peu de cheveux d'ange Samia. En mélangeant de temps à autre.
Alors, je les laisse cuire pendant 3 minutes avant d'éteindre le feu et de servir la harira. Ma harira est maintenant prête. On obtient une bonne onctuosité. Alors, on se retrouve pour la présentation finale de notre harira express. Ma harira express est maintenant prête. Alors, regardez. Elle a l'air très très bien en fait. Je vous souhaite un bon appétit, un très bon ramadan. Et je vous dis, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes et des nouvelles gourmandises. Et à bientôt.